Salut Peter. Et pour mon chien. Salut Peter. Ça peut pas des masses, mais... Je préfère vivre dans la rue que demander de l'aide à mes parents. On se rend pas compte du nombre d'enfants sans abri. 1 sur 30. Et trop souvent, les refuges sont pas équipés pour les accueillir. Si j'avais les pouvoirs, j'irais pas me battre contre les criminels, crois-moi. Je deviendrais une star. Je ne me suis jamais sentie en sécurité à notre refuge. Tu me manques. J'aimais beaucoup les chevaux, comme tout le monde à un certain âge. J'aimerais bien que May en enlève quelques-uns quand même, c'est un peu gênant. J'étais une vraie tête à claque. On passe tous par une période difficile. Bon, j'ai décroché le poste. La lettre de recommandation de May fait toute la différence. Tout le monde sait que quand elle dit quelque chose, c'est qu'elle le pense. Salut, la partie se passe bien ? À ton avis, je gagne, bien sûr. Il commence à devenir sénile, Pete. Je suis en train de l'écraser. Oh, le plus important, c'est de s'amuser. Je m'amuse comme une gamine à lui botter les fesses. Dans tes rêves, vieille folle. Parti, Pete. On joue pour des cacahuètes. Non, non, non. Merci. C'est pas trop mon truc. Ah, Peter, comment ça va? Non, je fais que passer. Ah, Martin, désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. Hé, hey, mais c'est ma tante préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, et il y a des boîtes très lourdes... Non, 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 pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour... J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter, tu as des problèmes? Tu as besoin d'argent? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, 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 ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, 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 pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi. C'est une fille très bien. Je sais, mais... Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Peter. Que se passe-t-il? Allez, dis-moi tout. Toutes ces dernières années... Tu m'as aidé dans mes études, tout en travaillant ici.
T'as fait tellement de sacrifices et sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, Tante May a toujours dit que sauver une personne... c'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Oh, il faut que je file. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Un message vocal de Yuri. Je devrais l'écouter dehors. Message vocal de Yuri. Hé, hey, alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de fisc. Vous pouvez jeter un œil ? Discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Des biens de fisc ? Génial ! Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. J'ai aucun réseau. Je dois trouver d'autres tours à activer. Appel à toutes les unités. Vol en cours. Les individus sont armés. Signalement à cathédrale. Peter, je ne t'ai pas vu quitter la fête. Ouais, j'ai dû filer au labo. Désolé. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire à quel point tes mots ont compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Oh, arrête, Tante May. Après avoir perdu mes parents, l'oncle Ben, il y a tellement de fois où j'aurais craqué si t'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le saches. Mais je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que Monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Je t'aime. Moi aussi. Va bien. Je peux pas les laisser s'en prendre à cette personne. On veut aussi.
son permis ? Cool ! Tu sais, j'adore étaler des petites frappes. Oh, vous êtes arrivés à temps. On aurait dit des animaux. Avis à toutes les unités. Des témoins signalent des agressions armées. Les événements ont lieu vers Central Park. Spider-Man, j'ai un ami. L'ami, tu vois, c'est la... C'est lui. Avec la main. Hey, oh, on fait coucou pour ma grand-mère. Hé, hey, toi, la menace masquée. Mon frère passait pour fils. Il est au chômage maintenant. Merci beaucoup. Trop bien. Je l'ai en photo. Quelqu'un se fait agresser. Eh, vous auriez pu m'attendre ? Spider-Man, chopez-les ! C'est bien d'arrêter un braquage de temps en temps. C'est la base du métier. Merci. J'ai toujours pensé que Fisk me protégerait. J'avais tort. C'est du sport ou c'est juste leur muscle. Appel à tous les agents. On nous signale une vente de drogue en cours. Convergez vers Central Park. Le trafic de drogue s'est intensifié depuis que Fisk est plus là. Je peux pas laisser faire ça. Je suis pas un grand fan de l'industrie pharmaceutique. Surtout dans les petites ruelles. Je vais casser la rotule. Dégueulasse, c'est pas là. Pareil. Spider-Man, lâche pas l'affaire. Hé, hey, Spider-Man, les ennemis n'ont pas besoin de toi. On a fait trop. Unité disponible. Une attaque vient d'être signalée. Et maintenant, les mails des auditeurs. May du Queens nous écrit. Vous êtes rempli de colère et vous devriez consulter quelqu'un, c'est très mauvais pour la santé. Je sais bien que ça part d'un bon sentiment, mais je me dois de corriger cette idée reçue que j'entends régulièrement. Je ne suis pas rempli de colère, je suis rempli d'amour. Je dénonce l'injustice, la corruption et les crimes contre l'humanité parce que j'adore cette ville et je veux qu'elle aille mieux. Ce que vous entendez dans ma voix, là, c'est rien que de l'amour. Unité disponible.
Une attaque vient d'être signalée. À tous les agents près de Central Park, veuillez vous rendre sur place. Ça roule ? Vous voulez vous battre? Vous avez de la chance! Qui sème la terreur, récolte une raclée. Oh, vous êtes arrivés à temps! Les vilains ne s'arrêtent jamais. Ah, c'est parti! Déjà ? Décidément, les braqueurs, c'est plus que c'était.
de stupéfiants signalés. On a besoin d'agents sur place, à Bloomingdale. Yori allait discrètement. Mieux vaut passer par derrière. Je commence à perdre patience. Où est le dossier? Il y a une personne. Elle a dû le prendre. Ces masques. Qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'il me repère, ils la tueront. Je dois agir en silence. Yori, l'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. Ils ont l'air si mignons en étouffle comme ça. Pourvu que ces types ne cherchent pas à s'emparer du territoire du Kingpin. J'espérais au moins avoir un week-end de libre. Je devrais le piéger d'en haut. Sois sage maintenant. Quelqu'un approche. À des limites. Quelqu'un d'autre est là, je le jure. C'est sûrement elle qui a le dossier. Dites-moi, où est-elle? Yanjing Zendadian. Yo Kyla. C'est quoi ça? Mais ça appartient à... Bouge pas! Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça... Hé, Peter!
MJ ? Qu'est-ce que tu fais ici ? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle ? En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi ? Je t'explique. Je peux vous aider ? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de fisc. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hé, Craig. Non, désolée, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop... Un truc sur la toile expressionniste ? Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr ? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig ? Laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Prenez le temps de vous familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Baku quand vous serez prête. D'accord. Je suis sûre que Fisk se voyait là-dedans. Un grand homme prêt à faire ce que nul autre ne ferait. Il est tellement mégalo. Fisk a ouvert Peter en deux avec ça la première fois qu'ils se sont battus. Il est venu s'écrouler dans mon jardin, à moitié mort. J'ai dû voler la voiture de papa pour l'emmener aux urgences. Début de la carrière un peu trop intense de l'infirmière MJ. Je me rappelle quand Fisk a commencé à importer illégalement des artefacts comme ça. Il avait acheté le port pour couvrir ses arrières et licencié tout le personnel, y compris mon père. J'aimerais qu'il soit là pour voir que la roue a tourné. Parfois, j'ai l'impression que toute l'histoire du monde se résume à des hommes qui se déguisent et se battent. Cette image est incroyable. Il y a une telle tension entre ces deux silhouettes. Kyoto. C'est magnifique. Ah, une partie de moi voudrait tout plaquer et parcourir le monde. Mais tout ce que je... Dites-moi quand vous voudrez commencer. Ça marche. Tout d'abord, la pièce maîtresse. Un Baku Kakiemon unique. Oh, magnifique. C'est un Mifune ? Exact. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Est-ce que vous le connaissiez avant son arrestation ? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ces ventes. Continuons, je vous prie. Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux Nio sont très imposants. Je comprends que Fisk aime cette pièce. C'est tout à fait son style. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui ? Non. Non, bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. Regardez les fines incrustations dorées de ce service à thé rituel.
En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord? Mettez-vous là. Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Attendez là, je vous prie. Oh, waouh. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a rien à faire là. Allô? Craig, je te rappelle. Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace. En effet, et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Je me dépêche. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement? Doucement. Et si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui alors? Qui est dans ma salle d'enchères? Oh mon Dieu. Non, je doute que tu puisses régler ça. Eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Et ensuite, je vais m'arranger pour te faire tomber, Craig. Oh, elle a pas l'air contente. Oui, c'est très clairement une menace. Bien sûr, Craig. C'est ça. Je ne te crois pas. Peter m'a parlé de ça. Fisk s'en servait pour cacher des preuves. Pourquoi la police l'a pas pris? Je sais que cette statue s'ouvre. Mais comment? Il tient quelque chose. Il y a quelque chose dans la main. Qu'est-ce que c'est? La statue est articulée, la pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Peut-être que ces trucs bougent. Le catalogue mentionnait deux poses. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant.
Peut-être qu'en tournant sa tête... Bien. Presque. Mais il manque quelque chose. C'est le Nio derrière eux. Sauf qu'il est différent. J'ai déjà vu ça. Ça ne va pas. Ça va, mais c'est pas ça. Non. C'est pas ça. Ça ne va pas. Il tient quelque chose. Elle a l'air à l'aise avec Fisk. Ça va, mais c'est pas ça.